troisième. Oxen. Practicing the move named Pit Blow. For my first 3 years here, Sensei had me practice only the basics. One must know the fundamentals to reveal the essence, as my father used to say. Yes, but Sensei is no longer here to teach me. He's gone. And I still have so many bad habits. Say, Ryo-san! Would you mind showing me the right way to do it? I'm sorry, I don't feel like it right now. Really? Well, if you ever feel like sparring, just ask. I'll be here. Thanks, Fuka-san. Alors, en voyant le titre de la vidéo, on a vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce qui va nous sortir encore comme connerie? Bon, salut à tous, c'est Rie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez nous, partageons nos émotions. Alors, cette vidéo, elle va être un peu plus longue que d'habitude. Elle va être divisée en deux parties, on va dire. Une partie assez sérieuse. Et une partie, ça va être un gros délire total, quoi. Alors, dans cette première partie, je vais vous parler des personnages. Personnages principaux de l'histoire, en quelque sorte. Enfin, surtout la famille, quoi, de Ryo. Je vais pas trop m'avancer, d'autres personnages. Et après, ça va être complètement délire. Je vous en parlerai après. Donc, le personnage que vous venez de voir là, en fait, c'est Fuku-san. C'est en fait, c'est ni le frère ni le cousin de Ryo, c'est c'était le disciple, le seul disciple du père de Ryo, Diwao Azuki. Ah, une cinématique qui s'enclenche. Bah tiens, ça me permet de vous montrer un QTE. Voilà, en fait c'est ça, c'est un QTE. Vous devez appuyer sur une touche assez rapidement. Be careful when playing in the road. Donc Fuxa, si vous voulez, c'est c'est le jeune disciple du père de Ryo. Et Ryo le connaît bien parce que ça fait 10 ans qu'il vit dans la même maison, quoi. Sinon, dans la maison, vous aviez Inye-san, que vous avez vu précédemment, qui est la nourrice. Là, vous avez le petit chat qu'on avait vu la dernière fois. Vous voyez, on peut se caresser. On peut juste le regarder. Puis on peut lui parler. How are you doing? You're so cute. Mais bon, ça va pas plus loin, quoi. How are you doing? You're so cute. Donc Inye-san, c'est la nourrice. C'est celle qui a élevé Ryo avec le père, du coup. Parce que la mère de Ryo elle est morte depuis très longtemps. Elle est morte quand Ryo était jeune. Donc du coup, on va peut-être remettre cette théorie en cause tout à l'heure, vous allez voir. Je vais pas vous montrer Inye-san parce que vous l'avez vu la dernière fois. Là, je voulais vous montrer des personnages, mais bon, ils sont pas trop. Ils sont pas là. Vous remarquez qu'on retrouve la musique que je vous parlais dans la dernière vidéo là. Voilà, on va voir Yamagashi-san. Yamagashi-san. Oh,
It's you, Liao. Your back seems to be better. Yes, it's much better. Alors, il a rien à voir avec la famille proche de Ryo. Mais si vous voulez, moi, Yamagashi-san, je le vois bien vivre avec Inie-san. Il vaut bien on s'en fout. Ouais, franchement, dans le jeu, Yamagashi-san, je le considère un peu comme le grand-père de Ryo. Bon, là, on va s'avancer vers Dobuta. Là, vous avez le pouvoir de Dobuta. Vous pourrez découvrir. Je ne vous ai pas montré depuis dans les précédentes vidéos. Au final, peut-être cette ambiance avec cette musique, ça va pas durer. Là, en fait, on est au deuxième jour de l'histoire, quoi. Ok, on a ça. Donc, on est dans un quartier résidentiel, on va dire, là où il est. Petit appartement, quoi. On va se diriger vers les rues plus animées de Dobuta. Donc là, vraiment, cette vidéo est orientée sur les personnages. Hein. Tout ce qui est décor et lieu, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Ouais, c'est le monsieur balayé. Pas grand monde dans le parc, ce matin. En fait, si vous avez tout suivi, Ryo a perdu sa mère quand il était jeune, et là il vient de perdre son père. Et qu'il a été élevé, bah là il a 18 ans, Ryo, Ryazuki. Et donc, si vous voulez, il a été élevé pendant tout ce temps-là par Inie-san. Tom! Hey, Ryo! Tell me about those men in the black car. What? Nozomi told me you had words with the guys driving the black car. No, I don't remember. They might have been the ones who murdered my father. Your father? Please try to think. Right, man. I'll try. Those guys in the black car, what were they like? I saw a guy wearing this weird coat. What kind of coat? It was a deep green. Maybe velvet or silk. Like something Chinese. That's Lan Di. What happened? They almost hit one of my customers, so I gave them a piece of my mind. But that man, he gave me this glare. I ain't never seen such a cold stare, man. Do you remember anything else? Nope. Try asking Chinese people about Chinese. Do you know any Chinese? Sorry, man. But see that travel agency over there? They get some Chinese customers. I'll ask around for you too, man. Come by later. Sure. Alors lui c'est Tom Johnson. C'est un marchand de hot dog en fait. C'est un ami à Ryo. Mais bon, il n'est pas tout le temps. Il n'a pas tout le temps l'aider quoi. C'est un peu un lâche, je trouvais fort. Là, je vais vous présenter un autre personnage. Alors. Là, voilà, c'est Nozomi. Elle, c'est la meilleure amie de Ryo. Nozomi. You're doing okay? Yeah. Have you heard any new information? The men who argued with Tom were from China. China? Did they have anything to do with what happened to your father? Yeah, so I want to try and get some information from some Chinese people around here. Who do you think I should ask?
Let me think. How about Adiichi? Across from Hattori Sporting Goods. Good idea. See you later. C'est vraiment une très bonne amie de Ryo. Et d'ailleurs, elle est pas trop contente quand Ryo règle les problèmes en se battant. What is it, Ryo? About finding people from China. How about Adiichi? You know, near the drugstore. Oh yeah, thanks. Elle préfère régler les problèmes en parlant et elle a bien raison. Donc c'est vraiment très bonne amie de Ryo et ses sentiments vont plus loin d'ailleurs. Mais elle a du mal à dire ses sentiments pour Ryo en fait. Bon, Ryo n'a pas vraiment le temps de s'en occuper non plus. I'm busy now. Sorry. Bye now. Il y aura des scènes assez touchantes entre eux deux. Mais bon. Ah, attendez. Cinématique s'enclenche. Je vais pouvoir vous montrer d'autres QTE. Hey, wait a minute. Hey, Hazuki. You think you could bump into me and not even apologize? Yeah, jerk. Apologize to Enoki-san. Or maybe I'll just beat an apology out of you. I don't have time for this. Get lost. That's it. You're history. Yeah. Oui, j'ai une seconde et demie pour appuyer sur les touches qui s'affichent. Damn, you're pretty tough. I don't have time to play your little games. Yes, I'm sorry. You don't mess with me again. Got it? All right. Ils sont vraiment pas malins ces deux-là. Hey, are you okay? Ils font ça. Enoki, je crois qu'il s'appelle. Un peu grand. Ah, si vous avez vu une petite coupure, c'est normal. Hein, vous inquiétez pas. Non, là, en fait, je vous ai présenté les principaux personnages de l'histoire. Enfin, vraiment la famille proche de Ryu, parce qu'après, il va rencontrer d'autres personnages, etc. Là, j'ai bien envie de vous montrer une scène qui me paraît assez culte dans ce jeu. Ouais, allez, je vais vous montrer ça. Ça se passe ici, dans cette compagnie de voyage. L'Asia Travel, il me semble. Ouais, Asia Travel Company. Ça me permet de vous montrer un premier lieu dans le jeu. Mon bâtiment. Vous voyez, quand on passe en mode free là, on devient les yeux du personnage, on peut vraiment tout regarder quoi. Pas grand monde ici. Hein. Vous pouvez traduire les affiches là. Il parlait à la jeune femme. Elle a l'air mignonne et tout, sympa, mais. Donc, vous allez voir ce qu'elle va lui dire. C'est assez culte. Je vais l'apprécier. Wait a minute. I want to finish reading this. What? I want to ask about people from China. Do you know any? You want to go to China? We got a good tour. I'm not interested in traveling. No? Then why are you here? Excuse me? You again? Ask somewhere else. Humph. Vous avez vu comment elle vous envoie chier. Et après, vous pouvez même plus lui parler, quoi. Vous demandez un renseignement, vous demandez si c'est pas où on peut trouver
des Chinois, elle vous dit ah, ici c'est pas le bon endroit. Déjà, elle vous dit attends, je suis venu lire mon livre. Je lui dis ah, non, c'est pas le bon endroit. Tu réessayes encore, et tout, machin. Non, casse-toi. Non, mais c'est hallucinant. Franchement, ce qui est énorme dans ce jeu, c'est que tous les personnages ne vont pas forcément vous aider, quoi. Elle, par exemple, elle vous envoie chier, mais profond, quoi. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est gagner son fric. Si vous faites pas un voyage, elle s'en fout. Alors maintenant, on va entrer dans... Excuse me. Yes, what'll it be? There's something I need to ask you. Excuse me. You see, I have something to do. I understand. See you later. On va entrer dans la partie de la vidéo vraiment délire, quoi. Alors, si vous reprenez le titre de la vidéo... Donc, on va essayer de s'interroger, en fait. Qui était la mère de Ryo Ozuki? Qui était Maman Ozuki? La maman de Azuki. Alors, tout ce qu'on sait. Try again when you get a bit older. Bye kid. Non mais oh, bye kid, hey, oh. T'es plus un enfant. Hein. Excuse me, but I don't feel comfortable talking with strange men. Ah, c'est une gamine, pas moi. If you're trying to pick me up, forget it. Find someone else. Tout ce qu'on sait. C'est que la mère de Ryo est morte quand Ryo était jeune. C'est tout ce qu'on nous dit. Et si c'était pas vrai? Et si on nous avait menti? Imaginez dans l'histoire, le père de Ryo, Iwao, nous aurait caché la vérité tout simplement. Alors pour ça, je vais revenir un peu plus en avant vers la maison d'Azuki. Essayer de comprendre. Franchement, dans l'histoire, ça n'a aucune importance, la mère de Ryo. En fait, on s'en fout royalement. Et moi, je me suis posé la question, et si elle n'était pas morte? Ah tiens, là, Bruno. C'est le facteur. La petite mobilette. Non, si, rien, c'est pas ici que je voulais aller, je crois. Non, je cherchais deux personnes, mais elles sont pas là. Elles ne sont pas encore là. Ah, ça va être Bruno, ça va. Oh, Bruno! J'ai oublié de vous parler de Bruno. Elle avait une petite coupure encore. Alors on est revenu un peu plus tard. Et cette personne que je cherchais, je l'avais vue il y a 2 minutes et elle n'est plus là. Je cherchais comment elle s'appelle? Oh attendez, il y a 2 minutes je j'avais encore son nom, merde. Mishima-san, voilà. Mishima-san. Et sa copine Sumiya-san. Encore Bruno là? Peut-être qu'elle va nous conduire jusqu'à Mishima-san. Alors parce qu'en fait, j'ai, si vous voulez, défini 3 théories. Alors la première serait que la mère de Ryo, que le père et la mère de Ryo auraient divorcé. Redivorcé quand Ryo était jeune, en fait, et que en fait c'est une voisine de Ryo. Hi, yo. On a des informations sur Mia-san. What do you want to know today? If you're in trouble, come and talk to me anytime. Sure. Bon, on va rentrer chez elle. On va voir si elle est pas chez elle. Ah, c'est Mishima-san.
Encore Bruno. Mais attendez, je vais toquer à la porte quand même. Perhaps they're out. Perhaps they're out. No one's home. No one's home. Non mais peut-être que la mère de Rio s'est barrée en fait. Et qu'elle a acheté un petit appartement, une petite maison à côté, qu'elle a, elle a vu sa. Elle a refait sa vie. Bon, ça pourrait être une bonne théorie, non? On va retourner vers Dobuta. Je vais vous montrer votre personnage. Parce qu'en plus, Mishima-san, je trouve qu'il ressemble à Ryo. Et encore mieux, je vais me dire, mais peut-être que Ryo a des frères et sœurs. Ça, c'est tellement énorme, cette théorie. Et je me suis dit, peut-être que celle qui est juste à. Qui est debout en fait. Ça pourrait être la, sœur de Ryo, si, si on y pense bien, parce que je trouve elle ressemble un peu à Ryo. Mais pas l'autre par contre. Je vais essayer de lui parler. Enfin, de leur parler après. Got a minute? Huh? Get out of my space! Faut pas qu'il ressemble à Ryo. Un peu quand même. Hey, you! J'ai vu comment elle parle à Ryo. What's with you? I'm not in the mood for this. Go home to mommy. Oh là là, c'est le gros délire. Excuse me. Huh? Who the hell you think you are? Just a. What you want? Non, l'autre peut pas être ta sœur. I'll slap you silly, you pansy. Mais la plus jeune, l'autre là. Okay, oh, bastard. On pourrait se poser la question, franchement. Ton mère va essayer hey, de parler. You. What's with you? Shut up! Non, sa mère lui a dit de pas parler aux inconnus. Man, I'm not in the mood for this. Get out of here before I hurt you. Avec leur uniforme, on pourrait se dire qu'elles sont dans une école. Vous savez, comme les écoles chinoises là. École un peu à la militaire quoi. Je pense qu'ils ont ça aussi au Japon. On pourrait dire c'est la fille de Mishima-san. C'est la demi-sœur de Ryo. Ce serait tellement énorme. Alors la deuxième théorie, bon, elle est moins sympa. Ce serait que le père de Ryo aurait rencontré une touriste américaine. Et ce serait une histoire d'un soir, etc. Et Ryo serait né comme ça. Puis je sais que dans le jeu, on peut rencontrer des touristes dans les rues de Butin. Il me semble qu'il y avait une blonde et tout que. Je sais plus où elle est. À la recherche de maman Azuki. Oh, ça. Pour ceux qui connaissent Shenmue, ils vont se dire, mais c'est quoi ce gros délire là? La mère de Ryo Azuki, elle est morte et puis c'est tout quoi. Mais non, mais excuse non. Me. I'm not interested in boys. Bye, kid. J'ai cru qu'elle disait je ne suis pas intéressé par un garçon. Mais en fait, je ne suis pas intéressé. Elle dit pas intéressé parce que vous dites des trucs comme ça quoi. Je suis pas intéressé garçon quoi. I'm sorry. I don't feel comfortable talking with strange men. Sorry. Ah ouais. Tu trouves que je suis un personne bizarre, étrange. Ah non mais Yuna c'est vraiment des cassos hein. Oui mais ils pointent pour des fous. Bon, on va aller jusqu'au bout mais je crois pas qu'elle soit là. Non. On va retourner un peu plus loin. Bah comme ça vous auriez vu en long en large de Buta quoi. Le plus grand quartier dans Shenmue 1. Bien sympathique, bien animé, y a pas de problème. Là, dès qu'on s'approche du marché, il y a la petite musique là. Musique bien sympathique. On va retourner vers Sakuragaoka.
On va parler à lui, tiens. Il m'a intrigué. Excuse me. Me? Oui, toi. Who's the best person in town to ask about people from China? What do you want to know? Nothing really. I know some Chinese people. Hey, you don't look like a cop to me. I have personal reasons for asking. That's so? Bon. On va laisser fumer sa cigarette tranquillement. On va retourner voir la frangine. Vous avez vu quand même pas là son grand frère? Hey, you! What's with you? Jerk off! Jerk off! I know you gotta step down! Bon, il s'est pas calmé depuis tout à l'heure. On va laisser méditer là-dessus. Alors, on va voir si... si, comment ça s'appelle, Mishima-san est revenu. Sorti. Je veux dire que sa fille, elle va pas me parler comme ça. Ah, là, voilà. Par contre, on voit pas l'autre personne en face. Il doit y avoir un lag. Voilà. C'est Sumiya-san. Mishima-san. C'est ça. Oh, hello, Dio. Hello, Dio. Who would be the best person in town to ask about people from China? Well, how about the people at that Chinese restaurant in Dobuita? Ah, you mean the Ajiichi? Ajiichi. The owner is Chinese, and he's been in business a long time. That's true. Faut pas qu'il ressemble un peu à Ryu, quand même. About people from China? Oh. Je suis sûr que... Vous, joueur de Shenmue, vous avez posé des questions assez... assez spéciales comme ça. Qui pourrait être la mère de Ryosuke? Ça vous est jamais venu à une idée comme ça? Si, à mon avis, si. Les grands fans de Shenmue aussi, à mon avis, si. Alors, pour moi... Alors, je vais juste vous montrer le distributeur, je ne l'ai pas encore montré. Parce que pour la troisième théorie, entre guillemets, faut revenir un peu plus tard en fait. On va se prendre un jet soda, on va s'en préférer de Yozuki. On n'a pas la marque, hein, pas comme la version japonaise. Et juste après, il va y avoir encore une petite coupure. Très rapide, vous allez quasiment rien voir. Hein. Ah, good. Alors on revient un peu plus tard. Donc Mishima-san est toujours en train de parler avec Sumiya-san. Et vous allez voir qu'on est bientôt à 19h, je vais vous montrer ce qui se passe quand il est 19h en fait. Mais bon, c'est sympathique. Et après, je vous montre rapidement la dernière théorie. Voilà. Et lampadaire de la ville s'éclaire avec une petite musique, c'est bien sympathique. I don't think anybody's in. Elle est déjà couchée. Ouais, je prends un peu vers aller. Direction Dobuita. Non, je sais pas où je vais. Non, c'est pas là que je vais aller. C'est l'autre côté. Moi franchement, quand j'ai joué au jeu, je me suis vraiment demandé, tiens, on a fait Megami, je me suis vraiment demandé qui était la mère de Ryo, ce qui, parce que c'est vraiment rien, on peut vraiment s'imaginer ces trucs là.
Vous pouvez me dire si vous voulez dans les commentaires hein, si vous avez déjà posé la question qui était la mère de Ryu. Ou si pour vous elle est vraiment morte. Ou... Ah, et puis là, la frangine elle est au lit déjà. Bien qu'il soit pas très tard. Alors pour la dernière théorie, on va aller au bar de Yokosuka. Excuse me. I don't have time to talk to you. Bye. Non. Moi, je voudrais pas montrer la touriste américaine, c'est pas grave. En plus, elle parle bien avec un accent américain, quoi. Mais c'est ici, tiens, on va parler à la petite dame. I have something to do now. Let's talk later. Okay. Bye, Ryo. Goodbye. Il faut vous permettre de voir une nouvelle ambiance encore. Allez me dire ce que vous en pensez de ce bar, mais il est juste super bien fait, je trouve. Même la petite boucle de fleurs. D'ailleurs, cette musique fait partie de la musique de l'OST de Shenmue. Avec toutes les musiques du jeu, quoi. Juste un truc de fou furieux, quoi. Truc de ouf. Monsieur. Saijo-san, do you have a minute? Sure. What is it? Who would be the best person in town to ask about people from China? How about the owner of the Ajiichi? If I remember right, he was born in China. Now that you mention it... Je crois que si vous n'avez pas compris qu'il faut aller à Ajiichi, Chinese restaurant, hein. C'est que... Il n'y a rien compris au jeu. Well, if it isn't Ryo... Are any of your customers from China? Yeah, I think so. I need to talk to someone from China. Well, obviously you should ask someone from China, right? Do you know anyone from China? How about the Ajiichi? I order takeout from them all the time. What about the owner there? Is there anyone else? Look. I generally stay out of other people's business. Thanks anyway. Look here, Ryo. Ine-san's worried, you know. All right. You're still a. You know you're. Parce qu'en plus elle s'inquiète pour vous et tout. Elle. All right. Elle vous dit, Ine-san va s'inquiéter si on part. Si tu rentres trop tard, etc. Imagine le. Iwao à Lucky. Et fait un tour à ce bar un jour et voilà comment serait né il y a des théories sérieux. Je vous avais dit que c'était un peu du n'importe quoi. Bon, si vous donnez un chien dans la vidéo, c'est normal, il y a le chien en bas qui crie. Ah, qui aboie, pardon. Bon, bah, je crois que vous auriez vu les théories les plus folles concernant la. La maman Azuki. La maman des Ryo Azuki. Parce que vous avez d'autres propositions, il n'y a aucun problème. Excuse me. What is it? Je vais vous laisser là-dessus. I really don't have the time now. I'm sorry, but can you ask me later? Okay. Allez, salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Shenmue. Partageons nos émotions. Salut.